Dans le Congo central, autre mesure, les camions poids lourds et autres véhicules à gros tonnage interdits d'entrer dans la ville portuaire de Matadi pendant la journée. La décision émane d'un arrêté urbain pris par le maire de la ville, Patty Nzuzi Wamakengedi, qui motive cette mesure en évoquant la récurrence des embouteillages sur les grandes artères de la ville de la province du Congo central. Je vous propose de suivre le maire de la ville à travers ses propos recueillis par Dadi Simbadio. La décision que nous avons prise est d'éviter, d'interdire l'entrée dans la ville de Matadi avant 22 heures de gros camions, dites camions remorques, semi-remorques et autres qui ont l'habitude pour autres de décharger les longs de la chaussée. Voilà pourquoi cette décision a été prise. Elle comporte plusieurs articles que nous allons incessamment mettre à votre disposition à partir de lundi. Donc, ce qui signifie dimanche déjà à minuit, cette décision entre en vigueur. Pourquoi nous avons pris ce temps? C'est pour que on ne puisse pas dire à la presse que nous n'avons pas été au courant. Le maire a pris une décision, tout le monde est au courant. Qui pour certains s'étape 4-5 camions semi-remorques et il n'a pas de garage. Voilà pourquoi nous évitons d'avoir des véhicules sur la chaussée. Nous évitons un camionneur qui n'est pas encore prêt pour charger au port, il quitte de lieu X jusque sur le trottoir.